I'm out. Franchement les gars, très belle performance. On ressent l'énergie de façon du track. Merci. Sur scène. Ah, c'est trop plaisir. Pas c'est trop plaisir là-dessus. Yes. Comment vous êtes senti vous sur scène et même comment vous sentez ce track là en personnel? Le refrain, c'est une phrase qui parle à tout le monde, tu vois. Je suis dans un bad mood. Tout le monde a déjà été dans un bad mood dans sa vie, tu vois. Vérilien. Le fait que voilà, ça parle à tout le monde, bah toi quand tu l'interprètes, ça te parle aussi à toi du coup et ça sort tout naturellement. Donc franchement, bête d'énergie en plus sur scène avec Goldie, on se complète bien. Donc non, franchement, c'était nickel. Ouais, de nickel. Ouf, de ouf, vraiment. Comme il a dit, vraiment, le refrain, il fait 90% du taf. En vrai, 90%. La prod aussi, quand même. Ouais, la prod, c'est vrai. En fait, c'est mélange des deux, tu vois. Oui. Et du coup, pour les couplets, ça te facilite grave la tâche. T'as juste à suivre le mood, en fait. Ouais. T'as juste à suivre le mood. Et ouais, la prod de Cyborg et AK2, elle est incroyable. Incroyable. Comment elle est née, cette prod? On était dans un studio avec une lumière un peu sombre. Il y avait Bafo, Golgi n'était pas encore arrivé. Avec AK2, on trouve les premières mélodies de Bells. Je commence à taper des drums dessus. C'était pas encore ça, mais une fois qu'on a trouvé les mélodies et qu'on a rajouté la petite touche, là, le petit violon, ça allait vraiment tout seul. Et en fait, naturellement, la prod elle a commencé à frapper un peu sévèrement. En fait, ce son, je crois qu'il est fait pour être joué en live, en fait. Et ouais, c'est ça, hein. Du coup, quand on voit le résultat, on est moi, personnellement, je suis super content. AK2, ton ressenti sur la prod? Pour moi, c'est carrément l'hymne national un peu du LMP. Waouh! Parce que. Il a dit l'hymne national du LMP. Chiche! Non, parce que honnêtement, je crois que c'était même la toute première prod que j'avais commencé et c'est quand même un petit coup de cœur.
Et honnêtement, là-dessus, j'arrêtais pas de bouger ma tête, je t'avoue. Donc, clairement, quand je l'écoute, honnêtement, je suis vraiment assez nostalgique, on va dire. Donc, voilà quoi. Sur scène, ça va être quelque chose. Ça va être spécial. Ouais, je pense que les gens, ils sont pas prêts. Hâte de voir ça. Est-ce que vous êtes en train d'annoncer un Stade de France Nous, on peut pas dire les infos. Top secret. On peut pas trop dire pour l'instant, mais t'as vu. Ouais. C'est bien. Félicitations à vous, en tout cas, les gars. Merci, en tout cas. Merci.